Je veux aujourd'hui m'adresser à Cissé Bakongo, le Lilliputien, l'homme qui n'est ni grand, ni court, ni nain. Appelez Cissé Bakongo, dites-lui que Hervé Djedjé veut parler de lui. Veut lui apporter une réponse par rapport au fait qu'il ait traité le président Laurent Gbagbo de force du mal. Je ne sais pas, mais ce juriste qui a perdu sa qualité de réflexion et de compréhension de la situation de la politique mondiale et africaine en particulier, je suis obligé ici de lui apporter une réponse adéquate à ce qu'il dit du président Laurent Gbagbo. Il a été fort dans ses mots, mais vous constaterez que beaucoup d'autres ont fait comme lui et ne sont plus de ce monde. Pas parce que le président Laurent Gbagbo leur a ôté la vie, mais parce que leur maître, leur chef, leur mentor ne veut pas, il ne veut pas d'eux. C'est pour cela que, au finish, ils ont perdu la vie. J'ai pu en citer des pléiades de personnes qui ont servi Alassane Dramane Ouattara avec leur corps, avec leur âme, avec leur esprit. Et Alassane Dramane Ouattara les a fait expédier aussi aux cieux. Gon Coulibaly, virulent, criant partout à qui veut l'entendre que Alassane Dramane Ouattara est son maître. Tout le monde sait l'amour indéfectible qu'il portait pour Alassane Dramane Ouattara. Mais il allait aussi aussi. Il n'est plus de ce monde. Qui se rappelle du Golden Boy? Le Golden Boy est celui-là qui disait à un moment donné que le président Alassane Dramane Ouattara nous laisse juste. Il n'a qu'à nous laisser juste. On va le désobéir juste un peu seulement. Un peu seulement, fitini. On va le désobéir juste un peu. Parce que il faisait du zèle, parce qu'il voulait montrer à Dramane Ouattara qu'il était son fils bien-aimé et qu'il pouvait parler, il pouvait faire des choses pour Alassane Dramane Ouattara. À l'heure où je vous parle, le Golden Boy n'est plus de ce monde. Ouattara, ça a bébé. Il est passé partout dans le nord, causant chaos et désolation. Le sabre bleu, le gros serpent, le grand serpent, pas le gros, le grand serpent. Le sabre bleu en langue malinké. Où il se trouve actuellement? Aux cieux, il n'est plus de ce monde. On peut en citer, on ne va pas arrêter. Ibrahim Koulibaly dit IB. Ibrahim Koulibaly dit IB. Le bras armé de Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui a fait attaquer Guéhi Robert. L'homme qui a occupé des postes stratégiques pour Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui cassa les prisons pour libérer ses amis, les shérifs Ousmane et autres. L'homme qui était au four et au moulin. Dans cette rébellion-là, Ibrahim Koulibaly, il est où aujourd'hui? Aux cieux. Vous voulez qu'il continue de citer? Je ne vais pas finir si je continue de citer. Je ne peux pas finir si je continue de citer. Je ne vais même pas m'arrêter maintenant. Qui d'autre? Les plus virulents. Amadou Cimetière, il est mort tardivement, mais il est mort. Amadou Cimetière, celui qui touche à Alassane Dramane Ouattara, va nous trouver sur son chemin. Et c'est au cimetière que la personne va finir. Jusqu'à ce que tous les Ivoiriens, quand tu demandes au peuple de Côte d'Ivoire qui s'appelle Amadou Cimetière, on te dit c'est Amadou, c'est le ministre et le président du Sénat. Amadou Cimetière, président de l'Assemblée nationale, qui s'est retrouvé où? Il est où aujourd'hui? Aux cieux. Même le dernier en date, virulent, les amis partagés, mettez des cœurs. Quand je parle là, n'hésitez pas, ne craignez pas. Ne doutez même pas. Il faut partager parce que ce qu'il va dire là, c'est fort. Et vous le savez et vous êtes habitué à ça. Parce que quand vous venez sur mon mur, quand vous venez sur ma page est une page où on prend la vérité. Mettez des cœurs, partagez. Envoyez dans tous les groupes, dans les inbox. Je vois pas les commentaires. Donc, voilà, là-bas, j'ai préparé la vidéo de Cissé Bakongo pour que vous puissiez entendre de vous-même avant que je puisse commenter ça correctement. Mais je suis en train de pour le moment citer les personnes plus violente que Cissé Bakongo, les Lilliputiens. Des personnes qui juraient que, au nom de Alassane Dramane Ouattara, des personnes qui ont travaillé pour lui, qui ont combattu pour lui, qui se sont battus pour lui,
ils se sont retrouvés aussi aussi. Ils sont aussi aussi. Vous comprenez? Donc, il y en a encore des Pléiades. Je ne sais même plus. Le dernier en date, comme je disais, le Diaby, il y a un Youssouf. Non, comment il s'appelle? C'est pas notre Diaby Youssouf qui est au PPACI. Non, non, non. Lassine Diaby, hein, c'est ça? Non, Lassine Diaby, c'est celui qui a détourné l'argent au fait. Hein, le mentor de l'honorable 13-13. Hein? Lui, il s'appelle Lassine Diaby. Mais le Diaby, là, oh, je vois pas, je peux pas voir les commentaires, excusez-moi. Il y a un Diaby, hein, qui a dit que si le président Laurent Gbagbo met ses deux pieds à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, lui, il est le président des victimes, et ils vont aller chercher Gbagbo Laurent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour l'expédier à la Maca directement. Vous vous rappelez de ce Diaby-là? Qui est sorti avec des femmes. La dernière fois qu'on l'a vu, dans une chaîne de télé de Côte d'Ivoire, il se trouvait à chose, au cimetière de William Civil. Aux abords du cimetière de William Civil. Il se trouvait là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il était avec des soi-disant victimes et qui n'étaient pas d'accord que Gbagbo Laurent ait été reçu par Alassane Dramane Ouattara. Vous vous souvenez de ce monsieur-là? Voilà. Lui aussi. Il est où aujourd'hui? Il a été virulent. Il a été, d'après lui, président de certaines victimes. Certaines victimes. Il est où aujourd'hui? Aussi, aux cieux. Qui d'autre? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais vous comprenez pourquoi les autres ne parlent plus? Pourquoi? Est-ce que, depuis que vous êtes là, ça fait combien de temps? Kandia Camara, vous ne l'attendez plus. Kandia Camara, qui était l'une des plus virulentes, celle-là même qui attaquait et insultait le président Laurent Gbagbo pour Alassane Dramane Ouattara. Celle-là qui était au taquet pour répondre à toutes les personnes qui veulent s'en prendre à Alassane Dramane Ouattara ou qui montraient la mauvaise gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. Kandia Camara Kamisoko se trouve où aujourd'hui? Elle n'est pas décédée. Elle est là. Mais est-ce que vous l'entendez parler? Est-ce que vous attendez la voix de Kandia Camara? Vous ne vous dites pas qu'on l'ignore, on l'a oublié, on ne sait plus. Peut-être même il a dit son nom, là, ça commence à rappeler. Il y en a qui ont dit, ah, je sais qu'il y a un qui a dit ça. Parmi vous tous qui me regardez actuellement là. Il y a un qui a dit, ah, oui, c'est vrai, il y a longtemps. Est-ce que vous l'entendez parler? Est-ce que vous l'entendez parler? Ils sont nombreux comme ça, Bitogo, Adama Bitogo, qui parlait, wow. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous faire cette vidéo-là, est-ce que vous entendez Bitogo grogner, parler beaucoup? Ils se sont tous calmés. On va écouter les Lilliputiens et puis il va continuer mon allocution. Pardon. Nous devons rester vigilants. J'espère que nous comprenons. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCAO. C'est Gbagbo, il appelle force du mal. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien. On ne voit pas bien. Oh, personne ne les a tués. Les femmes d'Abogo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abogo ont été tuées par personne. À peine revenu de là. Hein? Voilà. Allez-y, dis aux Lilliputiens, Cissé Bakongo. Dites à Cissé Bakongo que 82 témoins de son papa, Alassane Dramane Ouattara, 82 témoins de ses parents sont passés devant la CPI et personne n'a pu prouver que Gbagbo Laurent était coupable de quoi que ce soit. De quoi parle l'auteur? De quoi nous parle-t-il, Cissé Bakongo, le Lilliputien? De quoi parle Cissé Bakongo quand il traite le président Laurent Gbagbo de force du mal et que il y a eu 3000 morts et que les 3000 morts, il n'y a personne? Mais il faut être politiquement, il faut être vraiment... Quel thème je peux trouver pour lui? Quel thème? Qu'est-ce que je peux trouver pour parler à ce monsieur-là? Les amis, j'ai dit partager cette vidéo, mettez des cœurs, partagez. Mettez beaucoup de cœurs. Le Lilliputien, c'est Bakongo, traite le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Mais il faut qu'on l'écoute. Voilà. L'image est mauvaise. C'est pas une bonne image, donc on va juste l'écouter. Ils sont devenus amnésiques. Voilà. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Ils ne se souviennent rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Et ils se mêlent même des sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Anango va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour eux.
la compassion, la pitié. Voilà. Si c'est Bakongo, la personne qui fait pitié dans toute cette histoire, la personne qui est gonflée, on dirait, beau photo qu'on a, on a mal préparé, c'est toi, si c'est Bakongo. C'est toi qui fais pitié. Babo Laurent ne fait pas pitié. Babo Laurent est un politicien. Il fait de la politique depuis son bas âge. Il n'a jamais trahi le peuple. Il n'a jamais trahi son serment. Il n'a jamais trahi ses convictions. Il n'est pas comme toi, si c'est Bakongo. Il n'est pas comme toi, si c'est Bakongo, qui vend son âme au diable parce qu'il a faim. Babo Laurent n'est pas comme toi. Et Babo Laurent n'a pas besoin de toi pour exister. Vous voyez, il faut aller dire à Cissé Bakongo que c'est lui seul actuellement qui réagit et qui répond à tout. Est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous avez remarqué que lorsque le sieur Tidiane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il a pris la tête du PDCI RDA, la personne, dans une allocution, la personne qui a pris la parole devant un public pour attaquer sur le régime de la xénophobie, le sieur Tidiane Thiam, c'est lui, si c'est Bakongo. Donc c'est lui aujourd'hui le répondeur automatique de RHDP, de RDR. Si c'est Bakongo est devenu le porte-parole du RDR, RHDP. Il répond à tout et il répond à rien, en fait. On va encore l'écouter. C'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été, il va continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. L'État m'a donné raison. Voilà. Il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique, au fond de lui-même. Il ne peut pas gérer. Et il a montré à... Voilà. Il dit que le président Laurent Gbagbo peut être un opposant professionnel. Il a été un opposant professionnel et qu'il ne peut pas gérer. Lui, si c'est Bakongo, il dit, c'est-à-dire, il traite le président d'opposant professionnel qui ne peut pas gérer un pays. Vous voyez comment les gens, ils ont une mémoire des moineaux. Parce que le président Laurent Gbagbo étant président, les Cissé Bakongo là, ils ont travaillé dans l'administration de Gbagbo Laurent, du président Laurent Gbagbo. Ils ont travaillé sous le président Laurent Gbagbo. Ils ont été payés sous le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc quand il sort comme ça et puis il dit que Gbagbo Laurent, c'est un opposant professionnel, mais aujourd'hui Gbagbo Laurent est quoi? Parce que quand il est en train de parler de Laurent Gbagbo opposant professionnel, il se souvient pas qu'aujourd'hui, par la force des choses et par eux, leur force du mal, le président Laurent Gbagbo est devenu opposant. Mais comme lui-même il affirme, il dit que c'était un opposant historique. Comme lui-même il affirme, et il dit que c'était un opposant professionnel, le président Laurent Gbagbo est en train de faire une opposition professionnelle actuellement. Il est en train de trouver des voies et des moyens pour pouvoir mettre en place sa politique et dérouler son tapis, son rouleau compresseur. Il est en train de dérouler, il est en train de mettre en place et dérouler son tapis. Montrer aux yeux du monde que lui, c'est un opposant, un politique professionnel. Il dit que la Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne est tellement sérieuse qu'il ne faut pas s'amuser avec. Il dit, il y a un moment pourri, mais il ne faut pas s'amuser tout le temps. Il ne faut pas penser qu'on peut jouer avec la vie des milliers d'Ivoirois et d'Ivoiriennes. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Donc le Cissé Bakongo là, il n'a pas compris que Gbagbo Laurent n'est pas son camarade. Les amis, Cissé Bakongo n'a pas compris que il est en train de, comme ses prédécesseurs, il est en train de se préparer lui-même à quitter l'échiquier politique. Parce que ce qui se passe, c'est que Alassane Dramane Ouattara ne sera pas là pour le soutenir, pour le protéger. Alassane Dramane Ouattara est dans sa dernière ligne droite. C'est la fin d'Alassane Dramane Ouattara, son mentor. Ce que Cissé Bakongo ne sait pas. Il se pose même pas la question. Pourquoi les autres parlent pas trop? Pourquoi les autres la ferment depuis un moment? Il ne se pose pas la question. Lui, parce que c'est un jeu, on est dedans, on rigole. Et c'est lui seul qui lève la voix. C'est lui seul qui élève la voix et qui bavarde M. de gauche à droite. C'est lui seul qui veut montrer aux yeux du monde entier qu'il est pro Ouattara jusqu'au cou. Les amis, est-ce que vous partagez cette vidéo-là? Je ne peux pas trop parler parce que j'ai ouvert mes vitres et il y a les passants. Donc, je ne crie pas. En fait, je n'élève pas la voix. Mais je pense que vous m'entendez bien. Voilà.
Donc, je suis au Jossi, hein, je suis au Jossi. Toujours au Jossi. Voilà. J'ai décidé d'enchaîner les Jossi comme ça. Donc, je suis au Jossi. Demain matin encore, Jossi. Je suis calé ici encore dans la voiture. Voilà. Donc, je voudrais vous dire, et dire aux amis et au soutien de Cissé Bakongo, que son règne est en train de finir. Lui et son mentor Dramane Ouattara. Ils sont en train de chuter, c'est-à-dire, ils vont vers leur apogée. On va plus attendre parler d'eux. Donc, pour le moment, il est virulent. Pour le moment, il élève la voix. Pour le moment, il attaque tout le monde. Tout ce qui bouge, il attaque. Il attaque à gauche, il attaque à droite. Il n'a pas de limite. Parce que c'est lui, actuellement, qui veut montrer aux autres qu'il aime Alassane Dramane Ouattara jusqu'à Las Caras. Mais quand tu fais ça, là, Alassane Dramane Ouattara t'expédie aussi haut. Tu as vu les exemples qu'il a donnés. Tu as vu les noms qu'il a cités. Ils sont plus de ce monde. Mais ils ont été plus virulents que toi. Ils ont été plus chocs que toi. Ils étaient très soutiens de Dramane que toi. Mais ils sont plus de ce monde. Donc, j'espère que tu as entendu. Je vais pas m'éterniser sur ça. Je vais couper ce live parce que ça n'avance pas, c'est bloqué et ça n'avance pas du tout. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je vais couper et puis on se reprend.